jouer à Silent Hill. Donc, ce jeu a été recommandé par plusieurs personnes. Donc, non, il n'a pas été recommandé par plusieurs personnes. Dans le fond, c'est moi qui avais joué à l'époque pour ma chaîne YouTube. J'avais fait un stream, puis j'avais extrêmement plu. Ça m'avait extrêmement plu. C'est un jeu d'horreur jumpscare. Donc, il faut s'attendre à du jumpscare. Donc, les jeunes de 12 ans, hein, sensibles, vous savez où aller, hein. Retournez sur Fortnite, hein. C'est plus rendu du Fortnite, hein. On est dans le mode hard. Vraiment. Donc, évidemment, ce jeu est sur Rec Room. Comme vous pouvez le voir, je ne joue pas en VR, je joue seulement sur clavier souris. Et voilà. Et Rec Room, ça faisait un bon 1 an que j'y avais pas joué. Puis voilà. C'est parti. Puis on va découvrir ce jeu. Puis je te dis, je vous le dis, vous n'allez pas le regretter. Bon, faut aller vers cette porte, j'imagine. Oh boy. J'ai manqué un jumpscare. Donc, je préviens, il y a 3 jeux sur Silent Hill. Donc, si vous aimez bien cette vidéo, je referai une deuxième partie, mais sur l'autre jeu. Donc, ce jeu-là, ça va être le jeu complet, puis ça va être de même pour les autres jeux. Trois heures 59, qui a la ref. Ok, bon, retrieved the rifle and shot his wife as she was cleaning up the kitchen after lunch. When his 10-year-old son came to investigate the commotion, the father shot him too. His 6-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom. But reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from... Okay, on passe à prochaine room. Trois heures 59. C'est pas de la porn, c'est pas de la porn. C'est juste une meuf qui rigole. Je prenne une petite pause parce que va falloir.
3h59. Ça va? Est-ce que ça va me faire peur? Ok. Il n'y a rien où. Et donc ça c'est le premier jumpscare que je viens d'avoir. Je sais pas combien de temps ce jeu dure ou on est dans le noir. J'aime pas. Okay. 23h59. Retenez ça parce que je vais le dire pendant toute la vidéo, hein. La peau arrachée. Ok, j'ai pogné la porte. Je ne savais pas où qu'elle était la porte. Ok. Cette partie était vraiment flippante. Quoi ça? Il y a une araignée. 23h59. Et hello. Oh bordel. J'ai un peu vu peur encore, mais... que je vais essayer de pas me faire strike en vrai, même si c'est pas vraiment du récent, mais ça reste que c'est louche. Ok, ça s'est-tu calmé? 23h59. Oh bordel. Je m'enferme encore là-dedans. Okay. C'est tout.
J'ai eu trop peur, Zubi. Ouais, j'ai eu trop peur. Ouais, prends la porte, Mais en fait, ce jeu-là est juste là pour te stresser. C'est ça qui est bien dans ce jeu-là. Le premier, sincèrement, c'est hard. Qui est encore dans le noir. Pas de problème. Trois heures 59. C'est pas de la pente, c'est le jeu. Je t'attendais. Oui, tu peux retourner dans le noir, comme tu le dis. Tu ne feras rien, tu ne me fais même pas peur. Tu n'es qu'un paquet de pixels. Tu n'arriveras pas à me faire peur. Michel. Là, on va l'appeler Michel, celui-là. Ok, bonne idée. Étages, c'est ça la question, parce que tu sais, les étages se ressemblent toutes, mais après, est-ce que, combien de temps ça va durer, c'est ça la question. Ok. Ok, c'est un petit peu plus noir ça. Ça me fait pas peur, hein. Sincèrement, ça me fait pas peur. Ouh, elle est mignonne, l'araignée. Elle est bien mignonne. Ouais, et je trouve même ça cool des araignées. Ça me fait pas peur des araignées. C'est le retour de Michel. C'est le retour de Michel. C'est bon. Ok, on est terminé. Nice. Bon, bah. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner et mettre la cloche de notification pour ne pas rater aucune des autres vidéos. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Ciao tout le monde. Peace.